Good morning, Aleiden, les tuyaux aujourd'hui, le Lunishmat, Avram Chayner, Berman Fortune, Mazal, David, Dov, Ben Yehudit, Micha, Machlouf, Ben Masouda, Nachman Yosef, Ben Nachum, Yaakov, Nissim, Ben Chana. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, qu'on a été 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Mila, Perek Bet, Mishnah Chet. Amenachot, Moalin, Bahen, Mishéhouk, Deshou, Kadeshou, Bakli, Urcherou, les Passel, Bidvolium, Mobim, Khosar, Kipurim, Obalina, Kalava, Kometz, Raven, Alav, Mishum, Pigoun, Notar, Betame, Ben Moalin, Bashiraim, Aval Moalin Bakometz, Adcheetse, Lebet Hadashen. Pour rappel, dans ce chapitre, on explicite pour chaque offrande, oblation qu'on offre au Bet Amigdash, chaque offrande que l'on va faire, alors on va passer plusieurs étapes de sanctification, depuis le moment où on va sanctifier la matière première, jusqu'au moment où on va commencer à apporter le Corban, et jusqu'à ce que l'on finisse de faire cette offrande. Et à chaque fois, à chaque étape, va impliquer des nouveaux changements de statut, une doucha qui va s'amplifier, qui va au contraire parfois même diminuer, selon le cas. Et le but essentiel, c'est de préciser les ilchot de Meïla. À partir de quand on commence à transgresser l'interdit de Meïla, du sacrilège, et jusqu'à quelle limite, parce que parfois il y a des limites, comme on a déjà expliqué et qu'on va voir de nouveau. Et au passage, on découvre la halakhot aussi de Pigoul Notar et Tamé, depuis quand il commence à être enclenché. Concrètement, on a parlé, depuis le début du chapitre, Khatot, Khatata Of, Ola Ta'of, Parim Anisrafim, Osirim Anisrafim, on a Ola, Khatat Ve'asham, c'était la Mishnah Hey. Après on s'est mis à parler des Shte Alechem de Shavuot, on a parlé des Lechem Apanim de Shabbat, et maintenant Mishnah Chet, on va parler des Menachot. Et la Mishnah m'enseigne, à Menachot. Menachot, c'est les oblations de farine, de semoule, qu'on apprenait ça longuement dans Maseret Menachot, il y avait une Maseret entière. Concrètement, on doit apporter une certaine quantité de farine, on mélange avec de l'eau, de l'huile, parfois il va falloir faire cuire, parfois il va falloir laisser ça à l'état de pâte et prélever ensuite. L'essentiel en tout cas, quelle que soit la préparation, est-ce qu'on apporte à l'état de pâte ou est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va en faire d'abord des petits pains, quoi qu'il arrive, il va falloir prélever ce qu'on appelle le kometz. On va en parler dans notre Mishnah. Le kometz, c'est qu'on va prendre une pincée avec les trois doigts, comme ça le kohen il va prendre, ce qu'il va prélever, il va le jeter au feu du Beth Amikdash, du Mizbeach, sur l'autel, et le reste va être consommé par les Kohanim. Ça c'est pour les Menachot classiques. On apprendra dans la prochaine Mishnah qu'il y a des Menachot un peu différentes. Pour le moment, une Mincha classique, moi qui suis un Israël qui va offrir une Mincha, eh bien je dois procéder de la sorte. J'amène donc cette semoule au Kohen, il va la mélanger, la faire dans... Alors premièrement, regardez les étapes. Je vais d'abord sanctifier la semoule, l'huile. Ensuite, je les amène au Kohen. Le Kohen, il va les mélanger dans un ustensile du Beth Amikdash. D'accord? C'est ce qu'on va appeler le Matan Kli. Après, il va prélever le Kometz, la pincée, il va la jeter au feu. Dès lors, la Mincha va devenir permise au Kohanim, permise à la consommation. De ce fait, vous qui avez tellement bien étudié ce Perek depuis maintenant, la Mishnah Aleph, on en a la 8e Mishnah selon le même principe, on connaît déjà la règle, depuis le moment où j'ai sanctifié la semoule, on transgresse l'interdit de Meïla. Mais attention, dès qu'on va finir d'offrir le Kometz, que maintenant les Kohanim vont pouvoir manger cette oblation, le reste, eh bien, il n'y aura plus d'interdit de Meïla, parce que ce qui devient permis pour les Kohanim, il n'y a plus d'interdit de Meïla, du sacrilège. Il y a certes un interdit à la consommation, mais pas de Meïla. D'accord? C'est les deux points essentiels. Donc, on traduit maintenant tout ça dans la Mishnah, et on va découvrir encore le petit détail qui est au milieu. Et un détail à la fin aussi. Amenachot, les oblations de semoule. Moalin bahen mishéhouk deshou. On transgresse l'interdit de Meïla depuis le moment où on les a sanctifiés. Dès qu'on a désigné cette semoule, je vais l'offrir au Beth Amikdash pour en faire ma mincha. Ça y est, elle est devenue kadosh, on transgresse l'interdit de Meïla. Ensuite, on apporte ça au Kohen. Le Kohen va commencer à les préparer. Eh bien, kachou bakli, dès qu'il va les mettre dans l'ustensile, ça s'appelait un bissa, si je ne me trompe pas dans la Gemara, c'est pas précisé. Mais en tout cas, il y avait un ustensile où est-ce qu'on faisait, on mettait là-bas la mincha, une sorte d'assiette, de poêle, je ne sais pas, où on mettait là-bas donc tous les éléments et le Kohen les mélangeait. Et donc, ça c'est quand on faisait une mincha de semoule. Il y avait parfois, on faisait des petits pains, on les faisait cuire avant, puis après on amenait les pains, et le Kohen, il devait les plier, les casser en fait en petits morceaux, et les mettre dans cet ustensile. Depuis le moment où il les a mis dans cet ustensile, dès lors, alors on a sanctifié on a amplifié le niveau de Gdusha de la Mincha.
Initialement, c'était juste un bien du Beth Amikdash, mais ce n'était pas encore singulier, une mincha. Dès qu'on va la mettre à l'intérieur de cet ustensile, là, ça va monter en grade, ça devient maintenant une mincha, en l'occurrence, puisque c'est devenu une kedusha plus forte, c'est les korbanot, maintenant c'est devenu un korban. Initialement, si je peux dire, initialement c'était un bien de la trésorerie du Beth Amikdash, et là maintenant c'est devenu une offrande, on a augmenté. Donc de ce fait, maintenant, ça va enclencher l'interdit de Leipasel, Urshiru Leipasel Bitvulyom, ou Bim Khusar Kippurim, ou Balina. Maintenant, la mincha, elle est devenue apte à être invalidée avec un Tvulyom ou un Mechusar Kippurim, qui sont deux sortes d'impuretés qui prennent c'est-à-dire, très succinctement maintenant, il y a, selon les rituels de pureté, parfois il faut se tremper au mikvé, on est pur, parfois il faut se tremper au mikvé, attendre la soirée pour pouvoir manger de certains kochim. Parfois même, attendre la soirée ne suffit pas, il va falloir apporter le lendemain matin des korbanot pour finir le rituel de purification. Maintenant, les dernières purifications, après que l'on se soit trempé au mikvé, ou encore si on s'est trempé et que la nuit elle est venue mais qu'on attend encore d'apporter les korbanot, c'est une touma très très faible, c'est même pas une vraie impureté. C'est une petite touma très sensible qui ne concerne que les kochim. Si je veux toucher quelque chose qui est kadosh, je vais le rendre impur. Ou invalider plutôt. Pas exactement impur, bon. Je vais l'invalider, il va être impropre à la consommation. D'accord? À partir de quand? Donc c'est que quand on va toucher quelque chose qui est un korban, un sacrifice, et en l'occurrence, dès qu'on va le mettre dans l'ustensile, on transgressera l'interdit de. Une personne qui est de Vulium ou Mechusar Kippurim va l'invalider s'il le touche, ou encore même aussi l'interdit de Lina, c'est que dès qu'on va la mettre dans l'ustensile, il va falloir nécessairement apporter cette mincha dans la journée et ne pas attendre le lendemain parce que la nuit va invalider. Ensuite, on a dit que le Kohen, donc il fait le rituel, il va aller couper, il va prélever le Kometz. Et le Kometz, il va le faire monter. Le Kometz, c'est la pincée, il va le faire monter sur le Mizbéach, il va là-bas la jeter au feu. Eh bien, Kareva Kometz, depuis le moment où il va offrir le Kometz sur le Mizbéach, dès lors, selon le même principe, Raevin Alav Mishum Pigul Notar Vetame, que maintenant, on est apte à transgresser l'interdit de. Alors, je commence par le Notar Vetame, parce que ça, on le connaît, c'est-à-dire si j'ai fait la mincha comme il faut. Si ensuite cette mincha va être impurifiée ou bien va rester jusqu'au lendemain matin, on aura un interdit de notar ou de tamé, de reste ou de tamé d'impuré qui va devenir impur. D'accord? C'est devenu un korban. C'est plus grave. Cette fois-ci, ça se dépolarise. C'est-à-dire, par rapport à l'interdit de Meïla, tant que ce n'est pas permis à la consommation, l'interdit de Meïla, il est en vigueur. Par contre, comme la Mishnah, ça va devenir permis à la consommation des Kohanim au moins, eh bien il n'y aura plus d'interdit de Meïla, comme le dit la Mishnah tout de suite, Ven Moalin Bashiraim. Il n'y aura plus d'interdit de Meïla dans les restes de la Mincha. D'accord? Parce que maintenant c'est devenu permis pour la Kohanim. Mais à l'inverse, parce que justement, donc regardez, pour l'interdit de Meïla, tant que c'est pas apte à être consommé, il y a Meïla. Dès que ça devient apte à être consommé, il n'y a plus Meïla. Par rapport aux interdits de Notar et Tamé, et de Pigoul aussi, c'est tout le contraire. Tant que c'est pas apte à la consommation, il n'y a pas non plus l'interdit de notar et tamé, de reste. Il n'y a pas de reste parce que d'abord, un reste, c'est un korban qui était mangeable, et tu as dépassé les limites. Tamé, c'était quelque chose qui était de nouveau mangeable, apte à être mangé, et puis toi, au lieu de le manger comme il faut, tu l'as mal mangé. Alors là, il y aura spécifiquement l'interdit de tamé. Et aussi l'interdit de pigoule, c'est le même principe, sauf que c'est qu'au moment où on a offert le Kohen, il a jeté le Kometz, la pincée sur le feu du Mizbéar, il a eu une mauvaise intention de consommer la mincha au-delà des limites de temps permises, il a invalidé la consommation. Mais par contre, précision importante, qu'il n'y avait pas dans toutes les mishnayot précédentes, c'est que, certes, depuis le moment où on va offrir le kometz, la mincha va être permise à la consommation des kohanim, donc l'interdit de Meïla va être levé. C'est vrai que l'interdit de Meïla va être levé, mais attention, le kometz lui-même qu'on a jeté dans le feu, s'il y a un Kohen qui va s'amuser à aller le récupérer pour le manger, il va transgresser l'interdit de Meïla, parce qu'en ce moment, il est en train de manger la part qui est consacrée à Hachem. En réalité, on avait le même principe qui se retrouvait avec les Khataot et Hachamot dans le Pérek précédent, ou même aussi avec les Kodashim Kalim, c'était le même principe, c'est la fin du Pérek précédent, du Pérek Aleph. On apprenait le même principe. La viande, elle va devenir permise à la consommation, donc il n'y a pas de Meïla. Mais les graisses que tu avais montées sur le Mizbéar, si quelqu'un veut aller les manger, il va transgresser l'interdit de Meïla, parce qu'en ce moment, c'est la part qui revient à Hachem, qui n'a pas été permise à la consommation. C'est ce que la Mishnah enseigne, Aval Moalin Bakometz, on transgressera l'interdit de Meïla sur le Kometz, sur la pincée, Hachi Etzel et Bet Asrafa,
jusqu'à qu'il va se faire carboniser, et comme on avait déjà évoqué, jusqu'à qu'on va prendre, on va commencer à lever les cendres du Mizbéach pour aller les jeter au Batasrefa, soit partiellement, soit entièrement. On a vu une marloquette sur ça, marloquette Amoraïm, avec Rabbi Hanan, qui en fait est en fait une marloquette contre Rashi, et le Rambam, et le Barthénora, qui avait une fois dit comme ça, une fois dit comme l'autre. Et voilà, on a tout dit sur la Mishnah, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.